Donc Pascal, tu finis troisième de ta série à 13-17. On a vu ton départ qui était un petit peu lent et on se souvient que tu avais dit que c'était vraiment important. Comment tu as jugé ta course ? C'est la clé de ma course, c'est-à-dire que le point noir, ça se joue sur le départ première. Je sais partir vite, mais c'est pas tout le temps. Il faudra vraiment que demain, là j'ai un jour de récup, que je récupère bien, que je règle bien mes starts demain pour être très explosif, parce que si je veux aller chercher quelque chose de bien, il faut vraiment que je réussisse mon départ et c'est pas facile. Avec un temps de 13-17, t'as quand même espoir de te qualifier, non ? Ça serait du jamais vu de ne pas se qualifier en 13-17, je pense. Donc ouais, ça doit le faire. Est-ce que tu penses que tu as quand même réussi ta course ? Si ça n'avait pas été pour ce départ, le reste a quand même bien déroulé. Finalement, tu as su rattraper ton retard. Donc à part ce départ qui a été un petit peu difficile, la course n'était pas mauvaise en soi. Oui, voilà, il fallait retrouver des sensations de course et des sensations de vitesse. Là, je les ai eues dans cette demi-finale, même si je tape un petit peu, hein, ça casse un petit peu de la barrière, mais peu importe, je fais une belle course. Je pense que je fais une belle course. Bon, on est avec toi de tout cœur, Pascal, et bon courage, et on prie pour toi. Merci, à demain.